Salut tout le monde. Voilà, aujourd'hui on est mercredi, je sais pas le jour. Je vous fais juste un petit coucou rapide du chalet. J'ai amené mes petites chaussettes et j'ai amené mes petites pelotes du calendrier. Donc en fait, on reste au chalet 3 jours. Je les ai mis toutes les 6 dans la même boîte parce que j'avais pas envie d'amener tout le calendrier et tout. Mais on va quand même les regarder ensemble. Si je me suis mis là ce matin, c'est pour vous montrer la vue. Regardez, je sais l'envoi pas, mais alors attendez. Si je fais ça. Voilà, donc ça c'est la vue du chalet. Derrière, vous voyez pas, mais il y a un lac, c'est mécontent, il peut se baigner juste à côté. Je remets la visibilité sur moi. Et là, c'est 8h30, il fait feels like moins 26. Donc bon, bah, on va bien s'habiller avant d'aller faire des raquettes ou du ski, je sais pas encore ce qu'on va faire ce matin. Bon, vous n'êtes pas là pour ça. Donc voici l'avancée des chaussettes. Et aujourd'hui, oh, bah, on a ces petites pelotes-là, une pelote rose avec des petits speckles bleus et une pelote bleue. Ça va toujours très bien ensemble. Voilà, bon ben je vous dis à plus tard. Ciao! Salut tout le monde, bienvenue pour ce nouveau, je ne sais pas, c'est pas un épisode, mais ce nouveau petit bout d'épisode de Vlogmas. On est jeudi et voilà, c'est le matin. J'espère que vous avez passé une bonne journée hier. Moi, oui, ça va. On a fait une grande balade en raquette tout autour du lac ici, c'était super. Et le soir, on est rentré, on a mangé de la raclette. Et en fait, on a inventé un nouveau plat, la tartiflette ou la raflette, je ne sais pas comment on dit, mais j'ai oublié les patates à Montréal. Donc la raclette sans patates, c'est pas terrible. Donc heureusement, il nous restait des restes de tartiflette de la veille. Donc on a fait de la raclette avec de la tartiflette à la place des patates. Oui. Et sans plus tarder, voyons voir les petits carrés de la journée. Donc toujours dans la petite boîte, je prends les deux duos qui sont censés être ceux d'aujourd'hui. Et nous avons en rouge, oui, super, parce que pour le moment, j'ai pas de rouge. Et un violet avec des petits nubs, des petits bouts de tweed. Ouais, pour le moment, mes chaussettes, ça me fait rigoler parce que je les trouve très harmonieuses pour des scrappy socks. Elles sont toutes dans des tons rose, violet, bleu. J'ai pas de jaune, pas de rouge, pas de vert. Ouais, que des couleurs qui vont très bien ensemble. Je vais pas m'en plaindre, hein, mais. Voilà, donc aujourd'hui j'ai un petit violet, voilà un autre violet qui ira très bien, et en rouge. Voilà, j'espère que vous allez passer une bonne journée. Nous, on va aller faire du ski de fond. Il n'y a pas de montagne ici, enfin un petit peu, mais bon, du ski de fond, et je suis nulle en ski de fond. Bon, ou à l'endroit où on va, c'est juste, c'est pas très loin, c'est à 5 minutes. Hein. 5 minutes en voiture, ouais, il y a des pistes vertes de bébés, mais franchement, c'est pas les pistes de bébés, hein. Moi je les trouve super dures. Mais bon, c'est pas grave, je vais galérer 2-3 heures sur les skis, après on va rentrer ici, je vais pouvoir retricoter et rester bien au chaud devant le feu. Bon allez, surtout, sur ce, je vous dis à demain, ciao. Ah, et j'ai oublié de vous montrer, regardez, il a un peu neigé cette nuit. Petite parenthèse. Et il devait faire moins 25. Hein. Donc, encore une fois, hein, quand vos parents vous disent que s'il fait moins 0, il ne peut pas neiger, ils ont menti. Voilà. Oui, regardez, maintenant, il fait super beau. Et ouais, je voulais vous montrer quand même. Parce que c'est pas tous les jours qu'on a une belle vue comme ça. Regardez ça, le ciel bleu. Encore un petit peu plus de neige sur les sapins. Oh, c'est magnifique. J'aimerais bien vivre ici toute l'année, quoi. Mais bon, il n'y a pas de boulot ici. Allez, ciao! En général, on ne peut pas faire confiance aux Américains en termes de bouffe, mais alors quand il s'agit de cuisine au feu de bois et de barbecue, ça, pour ça, c'est les meilleurs. Donc ça, c'est un petit iron pan. Non, je ne sais plus comment ça s'appelle. Pie iron. Pie iron. C'est un petit moule en fonte où tu mets ton croque-monsieur dedans et tu vas le faire au feu après, à un moment ou à un autre.
Et voilà, et dans 3 minutes, c'est les meilleurs croque-monsieur de la Terre. 3 minutes plus tard, on regarde ça, c'est beau. Ouais. Salut tout le monde. Aujourd'hui, on est vendredi 10. Bienvenue pour cette nouvelle mini-section de Vlogmas. J'espère que vous allez bien. Nous, c'est notre dernier jour au chalet, donc je suis un petit peu triste de partir, mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Voilà. Mais j'ai encore 2 petites pelotes de laine dans ma boîte de voyage pour mes chaussettes. Alors, un violet. Oups, voilà, un violet. Ça, je sais, c'est de la Malabrigo. Ça fait très Noël. Vert, rouge et blanc, un petit motif. Je vais vous montrer mes petites chaussettes qui commencent à devenir des grandes chaussettes. Voilà, je les adore. C'était vraiment une bonne idée que j'ai eue, hein, n'est-ce pas? Mais regardez, je fais tout ça. Voilà, et je pense que je suis pas loin d'être au talon. Je pense que je suis même au talon. Ouais. Où il va falloir que je mesure pour être sûre de faire la ligne, la bande aujourd'hui, de la faire avant ou après le talon, parce que je pense que j'y suis presque. Voilà, donc je vous tiens au courant de ça. Là, ben, on va ranger le chalet, peut-être aller faire un petit tour de ski avant de rentrer, puis ben, la prochaine fois qu'on se parle, ça sera à Montréal. Allez, je vous remontre un peu la vue juste une fois, pour le plaisir, parce qu'elle est quand même pas mal. Aujourd'hui, il neige, donc on voit même pas la montagne en face du lac. Mais bon, c'est pas grave. Bon, ben, je vous dis à bientôt. Ciao.